bienvenue sur Infogracie. Merci. The summer's calling. Ensemble. Parfait, Guillaume, reste. Hey, Jojo. Non, 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 non
Thank you.
Thank you.
Les gars, demain! L'euphorie du match, l'euphorie du match. Et toutes les pénalités étaient super baissées aussi. Le dropper fou, le dropper fou. Le ce drop là, dernière minute. Notre 10 il la lâche et je vois les perches en face et je tape. Ben, parle-nous un peu de son équipe, vous êtes venu gagner à Biarritz. Bonne équipe, l'état d'esprit on avait envie, on a mis agressivité, ce qui a fait qu'on gagne le match. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Attends, je vais animer. Bonjour, je m'appelle Léo Banos, je joue 3ème ligne. On a gagné contre Biarritz, c'était très dur, mais on l'a remporté avec des bonus. Parle un peu, tu as été énorme sur le terrain, présence physique, énorme. Je fais ça pour les amis qui étaient sur le terrain, puis, c'est ça. Tu es assuré aujourd'hui. Ouais, merci. Voilà, bon, merci beaucoup. Merci. Allez, c'est bon. Antoine Vigneault-Tuquet, Stade Montois. Premier match, première victoire contre Biarritz. Exactement.
premier match, très content parce qu'on attendait de découvrir le niveau avec impatience, on ne savait pas trop où on allait. Et malgré des hauts et des bas pendant le match, les garçons ont su faire de très belles choses et remporter ce premier match. Donc ça lance bien la saison. Et parlez-nous un peu, parce que c'est que vous avez travaillé déjà toute la semaine, toute l'année, là c'est un aboutissement aujourd'hui. Oui, oui, oui. Après c'est un groupe qui a découvert le niveau l'année dernière. Qui cette année s'est préparé sans faire les phases de barrage, donc on a fait des matchs amicaux, fait jouer tout le monde, et puis là ben, on rentrait dans le vif du sujet, donc on a découvert et forcé de constater que les garçons sont prêts. Quoi. Donc, voilà. En plus, vous avez deux jeunes talents énormes, le numéro 9 et le numéro 6. Parlez-nous de ces deux jeunes, ouais, vous êtes énormes. Oui, alors ils sont leaders de leur équipe depuis quelques années, et c'est vrai que cette année, ben, on essaye de leur faire franchir un cap avec pas mal d'interventions auprès du centre de formation aussi. On compte sur eux, on compte sur d'autres aussi, et on espère qu'ils franchiront le cap comme certains autres jeunes qu'on voit maintenant en première. Merci beaucoup. De rien.